pièces de François Couperin, que j'ai un peu mélangé. François Couperin a écrit 4 livres de pièces de clavecin, et j'ai choisi de faire 4 petites suites par tonalité. Tout d'abord, Ré mineur, une allemande, pour justement faire un lien avec l'esprit du XVIIe siècle, où la danse est vraiment, enfin, prévaut dans les compositions pour clavecin. Donc une allemande, une courante, extraite justement de son premier livre, où il utilise encore beaucoup de ses danses de manière nommée, puisque plus tard il composera des pièces avec des titres, mais qui sont en fait construites sur des danses. Donc une allemande, une courante, une pièce qui s'appelle la Mimi, les papillons, la diligente et la garnier. Alors de la garnier, on dit que c'était une organiste claveciniste, donc Couperin disait que cette personne jouait ses propres pièces mieux que lui-même. Thank you.
Thank you.
Couperin a beaucoup utilisé et dans des caractères souvent assez mélancoliques, disons, soit un peu furieux quelquefois, soit mélancolique. Nous allons commencer par la Muse Plantine. C'est une œuvre qui est dédiée à Mademoiselle de Plante, qui était une claveciniste de ses élèves. Puis un des mondes de François Couperin, c'est la nature, et nous allons écouter les fauvettes plaintives, les oiseaux dans le bois, puis l'anguille, toujours la nature. Ensuite, un autre domaine où il a excellé, c'est l'humour caricature, en fait. Hein, c'est même la satire, on peut dire la satire, une pièce qui s'appelle Les culbutes jacobines. Et alors, il y a différentes interprétations, mais Jane Clark, qui a écrit un livre très intéressant sur les titres de Couperin, pense qu'il s'agit d'une satire de Dominicain qui était censé avoir des mœurs assez légères. Et enfin, des menuets croisés. Alors ça, c'est un amusement de l'époque sur les clavecins où les mains sont toujours superposées. Thank you.
une suite en sol. Sol, c'est une tonalité qui est à la fois très tendre chez François Couperin quand c'est sol majeur, et qui peut être assez vive et assez emportée quand il écrit en mineur. Par exemple, il a écrit une pièce célèbre qui s'appelle L'adolescente en sol mineur. Et je ne vous jouerai pas l'adolescente. Nous allons en forêt à nouveau avec les sylvains, donc les divinités des forêts, puis des petites nonnettes en deux parties. Alors il y aura les blondes, puis les brunes. C'est écrit sur la partition. À vous d'entendre quand le changement se fera entre les deux couleurs de cheveux. Puis deux portraits, la Nanette, la Manon, et enfin pour finir, l'Enchanteresse.